Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Si je suis sur Gina 1, vous êtes dans la rubrique des jeunes, voilà, et jeunesse chrétienne éveillée. Ça, c'est un message très, très important pour la jeunesse. Jeunesse chrétienne ou non chrétienne, mais pour la jeunesse, voilà. Et partagez-la, je vous en supplie. Et merci d'être déjà abonné. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour beaucoup de contenu à venir. Voilà. Commentez qu'est-ce que vous pensez. Voilà. Dites-moi dans la barre d'infos. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et vous rendrez libre. Connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Voilà, ceci est déjà sur la toile, ça s'est passé en Europe, à Mont plus précisément. Un jeune homme congolais de 33 ans a ôté la vie à sa 5 personnes, si on peut le dire, à sa femme et à ses 4 enfants de 10 à 9 mois, voilà. Et ce qu'il faut retenir ici, je ne veux plus aller dans les détails, j'avais fait une vidéo précédente en flash info, vous pouvez aller sur, je vais mettre la barre de description. C'est urgent, 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 urgent. Si tu as un copain qui crie sur toi, si tu as un copain qui se fâche rapidement, si tu as un copain quand il se fâche, il compte dans les murs, si tu as un copain qui te traite, qui te, ici on dit traîne, qui te dit, oh si tu me quittes, je vais me faire quelque chose. Si tu as un copain qui fait de ces choses bizarres, bizarres là, il faut quitter. Et quand tu quittes, quand le problème des fois, quand les gens se séparent même de leurs copains, copines, ils disent que ils les poursuivent pour leur faire du mal. Ça s'est passé en Afrique, au Congo, on ne veut pas avoir les images là sur la toile, donc on a enlevé ces vidéos là. Ça s'est passé, histoire vraie, la fille s'était séparée du monsieur et le monsieur l'a appelée. Elle avait même un autre copain, très belle fille. Il l'a appelée, elle vient, elle est allée là-bas. Non, il l'a appelée qu'il va venir. Il est venu, il est rentré chez elle et les parents n'étaient pas là et il lui a fait le sale. Avec, si on va dire, A-R-M-E, blanche, vous voyez. C'est dit là, puis se comprend pour couper les choses là, pour lui enlever la vie, si on peut le dire. C'était une histoire vraie qui s'est passée, c'était sur la toile, mais on ne veut pas cette chose-là sur la toile, sinon peut-être vous pouvez chercher et retrouver. Je ne pense pas que c'est encore. Donc, quittez, c'est mon message. C'est urgent, alerte, alerte. Celles qui sont déjà mariées aussi, qui se retrouvent dans des situations compliquées, quittées. Et quand cette personne-là vous contacte, c'est rendez-vous, je veux te parler, tout ça. Non. Et si vous êtes déjà marié, allez au divorce s'il le faut, pour sauver vos enfants, surtout quand vous avez des enfants. C'est très important. Mais le problème ici, c'est qu'il ne faut pas se remarier. Alors, si vous n'êtes pas marié, c'est plus facile. Partagez cette vidéo. Ça, c'est un message fort que j'ai pour la jeunesse chrétienne. Bon, c'est pour la jeunesse, en fait. Les grandes personnes aussi. Si tu tombes sur ceci, partage. Il faut partager cette vidéo. Ça doit atteindre plus de 1 million de vues. Challenge, c'est un challenge sur Jésus-Christ, ça doit atteindre plus de 1 million de vues. Quitter les relations toxiques. Ce monsieur avait déjà poignardé cette dame-là. On l'a menée, mais elle est revenue dedans. Peut-être qu'elle n'a pas de parents. Vous voyez, c'est terrible. Et ces choses-là sont tellement nombreuses que le gouvernement ne peut même plus gérer ça parce qu'on ne devait même plus célébrer le mariage de ces deux-là. Vous voyez? Il devait aller en counseling, tout ça, blablabla, c'est terrible. Vous voyez, moi j'ai été dans un mariage très 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 toxique. Je parle pas beaucoup de ça, mais je ne sais pas s'il faudrait faire des vidéos pour ça. Donc je sais ce que c'est. C'est pas facile de quitter. Il m'a fallu plusieurs départs. Je suis revenue plusieurs avant de pouvoir décider. Je vais faire les témoignages là. Vous voyez?